Madame Souhad Ben Abdelrahim, maire de Tunis, Madame Anne Hidalgo, présidente de l'AIMF, maire de Paris, Monsieur Hichem Chichi, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français à l'étranger et de la francophonie, Sitaï Bakouche, secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. Honorables invités qui nous suivaient ici à Tunis par cette belle journée ensoleillée ou qui nous suivaient également en présentiel, à distanciel, à travers les moyens technologiques, bonjour. Nous voilà donc entamés la deuxième journée du 40e congrès de l'Assemblée de l'AIMF. Une journée riche en émotions, mais ça, nous le verrons en deuxième partie de cette journée. Et une journée qui s'annonce et qui nous annonce des promesses d'encouragement, d'engagement et de coopération des maires, tant à l'échelle territoriale que régionale et transfrontalière. Cette journée sera certainement aussi riche que celle d'hier, où on a passé en revue les meilleures pratiques que sont en train de mettre en œuvre les maires dans le domaine du numérique pour améliorer le quotidien des concitoyens. La journée d'hier a permis aux maires une réflexion qui a abouti sur la formulation de leurs besoins. Alors, je souhaite bon courage aux maires et beaucoup de bonnes perspectives pour l'AIMF pour être et continuer son engagement auprès des villes. Mais sans plus tarder, j'invite Madame Souhad Ben Abdelrahim pour célébrer pour cette cérémonie d'ouverture. Bonjour tout le monde. Excellences, Monsieur Hichem Chichi, président du gouvernement, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'AMF, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers amis, chers invités. Tunis est très honoré de vous recevoir aujourd'hui, le 10 décembre, journée des droits de l'homme, pour tenir les assises de l'Assemblée générale de notre réseau, l'Association internationale des maires francophones. C'est une occasion de plus pour prouver notre adhésion totale, aussi bien à Tunis qu'au niveau de l'AMF, en faveur des droits de l'homme. C'est grâce à l'AMF que depuis maintenant 40 ans, des populations au Maghreb, en Afrique subsaharienne ou en Asie ont pu bénéficier de services élémentaires qui constituent la base des droits humains. Notre appartenance commune à ce réseau magnifique de solidarité reflète combien nous sommes proches et combien nous partageons des valeurs en commun. Si chacun de nous a sa propre démarche, sa propre histoire, son propre parcours, nous croyons aussi aux valeurs que nous avons en partagé. Chers amis, et c'est ici, à Tunis, il y a quelques siècles, qu'a soufflé le vent de la modernité sur la rive sud de la Méditerranée. C'est ici qu'en 1841, Ahmed Bey a interdit l'esclavage, puis promulgué en janvier 1846 le décret d'affranchissement. C'est ici, autour de l'université Zitouna, qu'un poète, un chercheur, qui sondait dans toutes les disciplines la vérité de sa foi, Mahmoud Kabbedou, a été reconnu comme un encyclopédiste. C'est ici que la femme tunisienne a pu acquérir droits avant-gardistes à travers l'adoption du code de statut personnel en 1956. C'est en Tunisie qu'une révolution pacifique a pu consacrer en janvier 2011 les droits humains les plus légitimes de liberté et de démocratie. Enfin, c'est ici à Tunis que notre réseau, l'Assemblée internationale des maires francophones, a concrétisé ses projets innovants d'envergure, la création du fonds de coopération, la modernisation de l'état civil et aujourd'hui la numérisation du patrimoine de la ville, la coopération avec le secteur privé pour moderniser, améliorer
innover, relever des défis et garantir la résilience de nos villes et la satisfaction de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureuse de vous accueillir dans notre ville, une ville ouverte, verte, une ville moderne dont les murailles connues sont celles du 8e siècle. C'est ici, dans notre médina, que nous comptons plus de 700 édifices ayant un caractère culturel dont la plupart datent de 17e et de 18e siècle. Et c'est grâce au soutien de l'Association internationale des maires francophones que nous sommes en train de mettre en œuvre un magnifique projet de numérisation de ce patrimoine unique dont l'objectif est de le sauvegarder et de le valoriser. Chers amis, la numérisation et l'innovation, comme nous l'avons constaté lors du colloque d'hier, sont autant de pistes de rapprochement entre nos villes, une base commune pour affirmer notre forte solidarité. La pandémie du COVID-19 nous a prouvé que la numérisation n'est plus un choix. Elle est une nécessité absolue pour garantir les droits aux services de base en temps de crise. Ensemble, nous sommes plus forts et nous développerons des partenariats équilibrés au service des femmes, de la jeunesse, de son savoir, de son environnement. L'environnement, une bataille quotidienne quand la croissance de la ville est très rapide. C'est pour cette raison que nous sommes constamment à la recherche de stratégies efficaces et innovantes pour en assurer la durabilité. Je suis sûre que les prochaines générations nous jugeront durement là-dessus. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas hésiter à prendre des décisions courageuses et encourager les initiatives réussies. Je pense, entre autres, à la mobilité douce, Madame la Présidente. Je suis sûre que de nouvelles perspectives d'échange entre nos villes émergeront de nos relations, notamment pour faire face aux crises communes. La pandémie du COVID-19 nous a démontré notre vulnérabilité face aux catastrophes et la nécessité d'œuvrer ensemble pour garantir la résilience de nos villes respectives. Votre présence aujourd'hui parmi nous, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire internationale, donne à tous les militants de la coopération internationale décentralisée l'espérance du lendemain. Pour cela, soyons remerciés. Bienvenue encore une fois parmi nous et que votre séjour à Tunis soit aussi agréable que fructueux. Merci de votre attention. Merci Madame la maire. La parole est maintenant à Madame Anne Hidalgo, présidente de l'AIMF et maire de Paris. Madame la maire de Tunis, très chère Souad Ben Abderrahim, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le ministre, cher Jean-Baptiste Lemoine, qui porte la francophonie au sein du gouvernement du président Emmanuel Macron, Monsieur le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, cher Taïb Bakouche, merci d'être là. Je veux saluer à distance le représentant, Monsieur l'ambassadeur, conseiller spécial de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Et bien sûr, vous saluez Monsieur le chef du gouvernement tunisien, cher Hichem Mechichi. Merci de nous honorer de votre présence. Et puis un salut fraternel, amical à tous mes collègues maires francophones et à la très très belle équipe de l'Association internationale des maires francophones avec son secrétaire permanent, cher Pierre Baillet. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui et vous l'avez dit, cher Souad, c'était pour nous un moment important, tenir, être en capacité de se réunir, une partie d'entre nous physiquement, une autre partie en visio. Ça n'était pas simple, c'était un défi à relever. Et je veux remercier la ville de Tunis, vous remercier Madame la maire et l'ensemble du gouvernement tunisien pour les conditions exceptionnelles qui ont permis de se réunir ici. C'est notre première rencontre physique pour beaucoup d'entre nous
et que ce soit ici à Tunis et sur le terrain de la francophonie, je crois que c'est un symbole encore plus grand, à la fois de renaissance et de finalement réouverture à un monde qui s'est fermé à cause de cette pandémie ces derniers mois. Je veux donc vous dire notre bonheur, mon bonheur d'être ici avec vous. En préambule, je voudrais, avant de rentrer sur nos sujets, rendre hommage à nos collègues qui sont décédés de la pandémie ces derniers mois. Et il y en a plusieurs et je voudrais en particulier rendre hommage avec vous à notre amie Firsa Sophie Ali qui était gouverneure d'Erbil et ville qui a rejoint l'AIMF en juin 2019. Et en novembre dernier, notre collègue est décédé des suites du Covid. Il avait 42 ans. Je voudrais que, à travers lui, nous puissions rendre hommage à toutes les victimes de cette terrible pandémie. Je voudrais aussi vous dire que aujourd'hui, et Madame la maire vient de le préciser avant moi, nous sommes une journée très spéciale. C'est la Journée internationale des droits de l'homme. C'est aussi une date anniversaire que je voudrais rappeler ici, puisque c'est aussi la commémoration du décès du leader syndical Farhad Ached. Et je voudrais dire combien cette aussi sa mémoire fait partie de ce que nous portons comme valeur. Je voudrais, si vous en êtes d'accord, que nous puissions faire une minute de silence en hommage aux victimes du Covid. Je vous remercie. Mes chers amis, la francophonie, ce qui nous unit, c'est à la fois une langue, mais une langue qui véhicule des valeurs, une langue qui se conjugue avec d'autres langues maternelles. C'est la grande force de la francophonie. Elle ne s'impose pas, elle ne se substitue pas. Elle est avec et elle permet à des femmes et des hommes partout sur la planète, de continents très différents, d'histoires et de cultures très différentes, non seulement de se comprendre, ce qui est déjà la base de ce qui permet de construire des sociétés humaines, mais aussi de se reconnaître dans des références qui sont les références de valeurs universelles qui nous tiennent à cœur. C'est ça la francophonie. Et le fait que l'AIMF soit ce rassemblement de femmes et d'hommes qui adhèrent à cette francophonie, qui se reconnaissent dans ces valeurs communes, dans cette histoire commune, qui partagent cette langue et que cette association des mères francophones réunisse des mères, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont à l'échelle de gouvernement, eux-mêmes à échelle humaine, est quelque chose de très important. Parce que ce qu'apporte, je crois, l'AIMF au mouvement francophone international, c'est notamment de pouvoir rendre concrets des projets qui permettent aux valeurs auxquelles nous croyons de se traduire dans la réalité. Et en fait, tous les jours, à partir des compétences qui sont les nôtres, celles des mères, partout dans le monde, nous nous appuyons sur les valeurs, sur ce réseau extraordinaire qui est un réseau extrêmement fraternel. Et nous construisons des actions concrètes qui couvrent l'ensemble des domaines qui sont les domaines de la vie municipale. Et nous avons des projets magnifiques qui permettent à des populations de bénéficier d'une qualité de vie meilleure à travers ces projets que nous portons. Mais cette année, nous l'avons vu, nous avons traversé toutes et tous une année terrible et la pandémie, les questions de santé et leurs répercussions aussi économiques sont venues ébousculer nos agendas et bousculer non pas nos certitudes, mais nos actions. Et je veux dire ici que dans cette année
particulièrement terrible, l'AIMF a su faire preuve à la fois d'efficacité et mettre au cœur de nos actions la solidarité internationale. J'ai souvenir des réunions que nous avons eues au tout début de cette pandémie avec les maires du réseau francophone pour échanger sur nos réalités et bien sûr partager nos solutions. Et je veux vous dire que dans ces échanges, bien sûr que nous sortons avec l'idée qu'il faut faire des questions de santé et de santé publique, des questions essentielles de notre coopération. Nous avons su être à la hauteur de ce défi, l'AIMF, je veux vous remercier Pierre Baillet, et en quelques semaines, nous avons réagi sur l'ensemble de nos territoires et partagé les expériences. Je veux saluer la mobilisation exceptionnelle des villes de notre réseau, parce qu'en fait, notre réseau ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas un engagement personnel aussi de chacun des maires et des équipes municipales. Et je ne citerai pas toutes les villes, mais que ce soit Genève, Lausanne, Namur, Nantes, Lyon, Bordeaux, Luxembourg, Phnom Penh et Nouakchott, mais aussi Paris, nous avons été extrêmement présents dans cette solidarité internationale. Notre réseau s'est aussi mobilisé au-delà de la pandémie, mais en lien quand même, sur une opération dont nous pouvons être fiers parce qu'elle a été conduite avec efficacité et rapidité. Je pense bien sûr à l'attention que nous avons portée à Beyrouth lorsque Beyrouth a été frappée par cette explosion du 4 août dernier. Et nous avons pu, grâce à l'AIMF, porter ce projet d'hôpital qui accueille des malades du Covid. Mais nous avons aussi réagi face à l'urgence. Je pense notamment à la situation très particulière de l'Arménie et de Erevan, qui a dû faire face à l'afflux de réfugiés du Haut-Karabakh. Et là aussi, tout cela se conjuguant avec une crise, une pandémie, l'AIMF a été présente pour apporter son soutien dans l'urgence à nos amis de Erevan. En parallèle, bien sûr, nous avons continué à travailler et notamment ce qui nous unit, c'est aussi de travailler sur des projets qui permettent de faciliter l'accès à la santé, notamment des populations les plus fragiles. Je veux ici parler de ces beaux projets de Tunis, Libreville, Antananarivo, Ouagadougou et bien ailleurs sur d'autres pays et d'autres villes. Nous avons conduit un certain nombre de projets emblématiques avec un de nos partenaires avec lequel nous avions scellé il y a quelques années un partenariat là aussi très fécond. Je pense notamment à la Fondation Gates. Donc nous avons travaillé avec cette réalité nouvelle qu'est la pandémie et nous avons pu montrer l'agilité et la capacité de notre organisation à intervenir. Mais, et nous aurons dans l'année qui vient aussi à nous mobiliser, notamment puisque si on reste sur le terrain de la pandémie, la question de la vaccination et de la vaccination des populations sera évidemment un sujet important sur lequel l'AIMF pourra et sera aux côtés des maires sur l'ensemble des continents où la francophonie existe. Je voudrais revenir sur un deuxième sujet qui me paraît très important et qui est au cœur aussi de ce que l'AIMF a développé ces dernières années. C'est notamment la place des femmes, l'éducation des filles et l'accès des femmes aux responsabilités, notamment dans les gouvernements locaux. C'est un sujet qui nous mobilise toujours. Et je veux saluer ici d'ailleurs le fait que nous avons beaucoup plus de femmes élues dans toutes nos villes. Il y a une mobilisation extraordinaire. Il y a eu une mobilisation extraordinaire de notre réseau avec de la formation, de l'accompagnement, du soutien à toutes ces femmes qui ont pris des responsabilités et on sait combien
des femmes prenant des responsabilités, notamment à l'échelle locale, tirent aussi, deviennent des sortes de rôle modèle pour beaucoup de petites filles qui se disent que c'est possible pour elles aussi d'accéder aux responsabilités. Et l'AIMF a été très présente, notamment aussi en soutien de programmes d'éducation dédiés notamment à l'égalité et dédiés aux petites filles pour qu'elles ne soient pas privées de l'accès à l'enseignement et qu'elles puissent être aussi celles qui vont construire notre avenir. Et on le sait, je ne reviens pas sur ces nombreux rapports de l'ONU, lorsque les femmes accèdent aux responsabilités locales, la démocratie progresse, pas simplement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Nous avons donc, avec l'AIMF, financé beaucoup d'opérations, et notamment des bâtiments scolaires. Depuis 5 ans, ce sont 2 millions d'euros qui ont été fléchés dans cette direction par l'AIMF. Et bien sûr, nous allons poursuivre ce sujet. Je voulais vous dire d'ailleurs sur ce sujet et en lien avec la thématique qui nous occupe, celle du numérique, que nous avons notamment à Paris créé une école, une école du numérique pour les jeunes. Nous en parlions, monsieur le chef du gouvernement, précédemment, qui est une école qui se fait après l'école et qui permet aux jeunes de se former au langage du numérique à partir de choses qui leur tiennent à cœur et qui sont en général des projets culturels. Cette école s'appelle Tumo. On a été inspiré par un exemple extraordinaire qu'on avait vu à Erevan, mais monsieur le ministre connaît aussi cet exemple. Et cette école, aujourd'hui, elle fonctionne à Paris. Beaucoup de pays dans le monde sont en train de regarder parce que c'est une pédagogie alternative très intéressante, attachée au numérique, et on sait combien le numérique est un sujet crucial pour améliorer aussi la qualité de vie au quotidien des populations dont nous avons la responsabilité, que ce soit les pouvoirs nationaux ou les pouvoirs locaux. Et cette école qui s'appelle Tumo est quelque chose que nous mettons aussi dans, je dirais, ce que nous pouvons partager et diffuser et construire. C'est un outil exceptionnel. Et nous avons un deuxième outil aussi que je voudrais partager avec vous, parce que ça peut faire l'objet également de nos partenariats et de nos coopérations. C'est la création future, en septembre 2021 à Paris, d'une école pour les jeunes aussi, après l'école, dédiée aux questions relatives au climat. Ce sera l'Académie du climat. Deux outils qui peuvent aussi essaimer, être partagés et bien sûr adaptés à chacune des réalités, mais je voulais vous les indiquer ici. Bien sûr, notre réseau s'est beaucoup mobilisé aussi sur les questions d'environnement, sur les questions relatives à l'eau, à la gestion des déchets. Nous avons tous appris ces dernières années que les déchets sont en fait une source d'énergie et pas simplement des choses qu'il faudrait évacuer et cacher. Et nous avons élaboré beaucoup de coopération entre nos villes et je veux ici saluer le travail accompli. Enfin, parce que j'ai parlé des femmes, on a parlé du numérique, ce sont deux sujets sur lesquels je pense que la diplomatie des villes a des perspectives extraordinaires devant elle. Et l'AIMF est à l'avant-garde de cette diplomatie des villes qui ne se substitue pas à la diplomatie des États, qui n'est pas là pour gêner non plus la diplomatie des États, mais qui est quelque chose de plus agile, peut-être d'un peu plus libre, parce qu'à l'échelle locale, je pense qu'on arrive souvent à dépasser des conflits de communautés, de visions, de points de vue, parce qu'on est accroché à des projets très concrets. Et je veux dire ici, devant le chef du gouvernement tunisien, son Excellence, devant aussi, bien sûr, monsieur le ministre et les ambassadeurs présents, mais aussi devant le représentant de l'OIF, que nous sommes un outil
et qu'il faut vraiment abuser de nous, au bon sens du terme, parce que nous sommes pleins d'énergie, pleins d'idées, et que nous avons envie de contribuer à rendre le monde meilleur, à lutter contre la violence. Et en fait, il n'y a pas 36 000 façons de lutter contre la violence, c'est par le dialogue et par la réalisation de projets concrets. Donc, je voudrais vous remercier, remercier de votre engagement, vous dire aussi que tout à l'heure, nous célébrerons les femmes qui ont été retenues pour leur très, très beau projet qui sont les femmes francophones de l'année. Ça va dans la droite ligne de ce que j'ai dit précédemment sur le leadership. Non, j'utilise pas ce terme sur le, puisque on est en francophonie, mais sur le fait que les femmes accèdent à des responsabilités dans tous les domaines. Et je veux vous dire un immense merci, ma fierté aussi d'être présidente de cette très très belle association qui est une association dans laquelle j'apprends tous les jours. Et je peux vous dire que je m'inspire de ce que vous faites les uns et les autres dans vos villes. C'est une vraie source d'inspiration, une source de fierté et aussi un réconfort de savoir que ce réseau existe, qu'il est actif et qu'il contribue à faire changer le monde. Merci infiniment. Merci Madame Hidalgo pour tous ces beaux messages d'optimisme, de coopération, encore de coopération et puis d'interpellation des gouvernements également à abuser. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi de l'IMF. Et voilà. Alors j'appelle Monsieur le chef du gouvernement, s'il vous plaît. Madame la Présidente de l'Association internationale des maires francophones, Monsieur le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme des Français de l'étranger et de la francophonie, Mesdames et Messieurs les maires, honorables invités, il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion des travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, qui se tient aujourd'hui sous le thème « Les journées de la ville francophone numérique ». Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour le choix de ce thème, que je considère d'une grande pertinence, compte tenu d'une part du contexte sanitaire mondial exceptionnel, qui a souvent imposé le recours au numérique comme principal moyen de communication, et d'autre part, eu égard au lien étroit entre ce sujet et le thème du 18e sommet de la francophonie prévu à Djerba en 2021, à savoir la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Je souhaiterais également réitérer l'intérêt que porte la Tunisie à l'AMF, réseau mondial des élus locaux francophones et de leurs associations, et l'importance que nous accordons à ce projet commun. Cet intérêt s'illustre tant au niveau de la forte présence tunisienne au sein de ce réseau à travers 8 villes et la Fédération nationale des villes tunisiennes qu'au niveau de la richesse de la coopération entre les villes tunisiennes et l'AMF, comme en témoigne l'ampleur des projets communs et des manifestations co-organisées tout au long de ces dernières années. Mesdames et Messieurs les maires, honorables invités, dans son chapitre 7, la Constitution tunisienne de 2014 précise que le pouvoir local est fondé sur la décentralisation concrétisée par des collectivités locales qui couvrent l'ensemble du territoire national. Une des étapes principales vers la décentralisation a été l'adoption du Code des collectivités locales en avril 2018, ainsi que les élections municipales en mai de la même année. À travers des principes tels que la subsidiarité, la libre administration ou l'autonomie locale, la décentralisation en Tunisie prévoit le transfert de certaines compétences des institutions centrales vers des entités et collectivités locales qui disposent de compétences propres, de compétences partagées avec l'autorité centrale et de compétences déléguées par cette dernière.
je souhaiterais également rappeler la teneur de l'article 12 de la Constitution qui stipule que l'État agit en vue d'assurer la justice sociale, le développement durable et l'équilibre entre les régions, en tenant compte des indicateurs de développement et du principe de l'inégalité compensatrice. La décentralisation en Tunisie est un processus en cours qui permet de prendre des décisions au plus proche des citoyens, garantissant ainsi l'émergence d'une démocratie de proximité et une prise de décision à l'échelle locale grâce aux élections municipales et à la participation du citoyen dans la gestion des affaires locales, dont notamment le budget participatif. La Tunisie considère que les collectivités locales peuvent constituer une passerelle entre le local, le national, le régional et l'international à travers l'établissement de relations extérieures de coopération décentralisée fondées sur le partenariat, la solidarité et un nouvel esprit innovateur et responsable de citoyenneté. Mesdames et messieurs les maires, honorables invités, à travers ces projets, ces actions et ces efforts de réflexion, et grâce aux contributions de près de 300 membres issus de 54 pays francophones, l'IMF a réussi à se positionner en tant que levier décisif et reconnu de la coopération décentralisée dans l'espace francophone. La multitude de crises économiques, sociales et sanitaires auxquelles fait face l'espace francophone nous exhorte, autorités centrales et locales, à agir afin d'en minimiser les effets. Votre proximité avec les populations nous confère une aptitude encore plus consolidée à identifier les besoins des citoyens. Dans la promotion des politiques ambitieuses et responsables au service d'une urbanité plus respectueuse de l'homme et de l'environnement, dans le développement des territoires et dans la promotion de la cohésion et de la solidarité, nous serons à votre côté. Nous fédérerons nos énergies et œuvrerons ensemble en vue de réaliser ces objectifs communs. Améliorer les conditions de vie de nos citoyens à travers un accès plus aisé et équitable à l'eau, à l'assainissement, à la santé, au développement économique, à la culture et à la participation aux affaires publiques. Je tiens à rappeler qu'il s'agit ici de quelques exemples des droits fondamentaux, d'autant plus que nous célébrons aujourd'hui même le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. En perspective de la tenue à Djerba en novembre 2021 du 18e sommet de la francophonie, nous considérons que l'IMF est appelé à approfondir sa réflexion sur les voies et moyens à même de renforcer l'espace francophone, le développement régional et l'équilibre entre les régions, en tant que composantes essentielles devant enrichir et consacrer cet espace dynamique. Je suis persuadé que l'IMF, désigné par les chefs d'État et de gouvernement comme l'opérateur direct de la francophonie pour la coopération décentralisée lors du sommet de Cotonou en 1995 et qui œuvre en faveur du dialogue des cultures et de la croissance partagée en francophonie, agira d'une manière effective aux travaux du sommet de Djerba et apportera sa contribution tant au contenu qu'aux manifestations et événements qui se tiendront à cette occasion. Les résultats de vos échanges lors des journées de la ville francophone numérique sur l'apport du numérique au service de l'éducation, de la santé, de l'agriculture urbaine, du logement et de la mobilité, ainsi que vos constats sur le lien entre numérique, droits de l'homme et gouvernance locale, contribueront, j'en suis convaincu, à l'enrichissement des débats prévus lors du sommet de Djerba en 2021. En attendant cette échéance à laquelle mon pays s'y prépare intensément avec l'Organisation internationale de la francophonie, je vous réitère mes remerciements de votre participation et vous souhaite plein de succès dans vos travaux. Je vous remercie, Monsieur le chef du gouvernement, d'avoir répondu présent à notre invitation. Votre présence nous honore et démontre encore une fois l'engagement du gouvernement envers les villes, particulièrement dans ce contexte où nous bâtissons la décentralisation brique par brique en Tunisie. Alors, je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, je sais que vous avez un conseil des ministres dans les minutes qui suivent, donc je vous libère pour que vous puissiez conduire votre réunion. Merci.
Micro. Nous allons poursuivre notre séance, notre plénière, et nous allons inviter ou plutôt regarder la vidéo de Monsieur Elio Di Rupo, ministre président de Wallonie, ancien premier ministre de Belgique, ancien maire de Mons. Donc, la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous-même et vos proches vous vous portez bien. Et je voudrais féliciter le secrétariat et tous les experts qui tournent autour de l'association, car vos travaux sont remarquables. On me demande de dire quelques mots sur la digitalisation, la numérisation dans le cadre de la responsabilité des villes et des communes, voire des autorités régionales. Je le fais bien volontiers en m'excusant auprès de vous si je ne peux être présent physiquement. Je voudrais juste vous dire ceci. Le défi de la digitalisation, de la numérisation est un défi majeur. Majeur car les choses sont simples. Où les villes, les collectivités territoriales, les régions s'y engagent pleinement, soit très rapidement, ces mêmes institutions se retrouveront en retard dramatique par rapport à d'autres qui seront à la pointe et qui vraisemblablement créeront des dynamiques économiques, sociales, tout autres. Alors, que faut-il entendre par numérisation, digitalisation ? Mais il faut entendre qu'on doit faire en sorte que tous les actes administratifs que nous accomplissons soient des actes automatisés. Nous devons faire en sorte qu'il y ait, au-delà des formulations, qu'il y ait de l'intelligence ajoutée, que tout ce qui concerne, par exemple, les marchés publics, tout ce qui concerne le contact avec les citoyens, tout ce qui concerne la délivrance de documents, d'autorisations, que tout cela soit le plus automatisé possible. On devrait, au départ d'un téléphone, par simple reconnaissance faciale, on devrait pouvoir ouvrir à nos concitoyens ou aux responsables d'entreprise toutes les portes administratives, c'est-à-dire l'accès à tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Et, dans toute la mesure du possible, les documents, les actes et autorisations, ils pourraient les obtenir en retour, non seulement d'une manière très rapide, mais d'une manière digitalisée. Alors, certains disent, oui, mais nous allons perdre notre âme, on va perdre beaucoup d'emplois. Je ne le sais pas. Une chose est certaine, c'est qu'il y aura des transferts de profils professionnels. Mais on aura toujours besoin de maîtriser la mécanique digitalisée, numérisée. Et peut-être que ce serait l'occasion, en parallèle à la numérisation, la digitalisation de l'ensemble de nos administrations ou bien des unités administratives, ce serait l'occasion de redonner plus de sens et d'attention à la dimension humaine au sein de nos institutions. Et dans la hiérarchie des éléments importants, c'est clair que l'être humain prime et qu'il est au-dessus de tout instrument technologique. Alors voilà, ça demande énormément de travail, ça va nous demander beaucoup d'efforts, mais je pense que l'exigence actuelle de nos concitoyens, de nos entreprises, sont telles que nous, autorités territoriales, autorités régionales, nous nous devons de nous acquitter de cette responsabilité. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent travail. Alors, il n'est pas avec nous,
parmi nous, mais il est avec nous, Monsieur Désiré Nyaruhira, ambassadeur, conseiller spécial de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui la représente. Alors, Monsieur Désiré, je vous donne la parole. Alors, merci beaucoup. Il y a le lien Zoom, voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, on ne vous entend pas, Monsieur Nyaruhira. Vous m'entendez maintenant? Activez votre micro. Si, le micro est activé. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, on ne vous entend pas encore. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Anne? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Non, il paraît qu'ils ne m'entendent pas. Pourtant... Non, c'est bon. Francophonie, s'il vous plaît, monsieur. Mais non, merci. Bien, Madame la Présidente, chère Anne Hidalgo, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Monsieur le conseiller spécial, mais il nous entend, je crois, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les maires, chers amis, oui, parce que la grande famille francophone est réunie grâce à nos amis tunisiens ce matin ici. Et j'avoue que pour chacun, je crois que c'est un grand plaisir de pouvoir enfin se retrouver physiquement, ne pas être tous séparés par un écran et voire par pixel interposé. Et on le doit bien grâce aussi au travail conduit par l'équipe de l'AIMF, et je salue à travers son secrétaire général l'ensemble de celles et ceux qui, aux côtés de la ville de Tunis, ont permis ce beau succès, parce que je crois que pour beaucoup d'entre nous, c'est une des premières fois que nous nous retrouvons comme ça, en présentiel. Et je vois là... les visages et les regards accourus depuis les quatre coins du continent africain. Et j'adresse naturellement un salut amical à tous les autres qui nous suivent à distance. Donc c'est un immense plaisir et puis c'est doublé d'un grand honneur, je dois dire, que d'intervenir ce matin ici au cours de votre Assemblée Générale, Madame la Présidente. C'est à Tunis, c'est pas n'importe quelle ville, Madame le maire, cher Swad. Est-ce que tu as des moyens de contrôler avec ce qui se marche? Que cette francophonie, elle s'incarne, elle est un visage justement qui soit à la fois celui de la bienveillance et de l'efficacité. Je vais y revenir. Alors cette langue française, on le voit, c'est cette francophonie, cette dialectique entre à la fois l'unité, ce que nous avons en commun, en partage, cette langue, et la diversité, effectivement. Et je lisais d'ailleurs
le mot d'ordre sous lequel était placée la réunion, réunir les destins, respecter les diversités, c'est vraiment ça. Et il n'est que de convoquer Albert Camus, souvenez-vous, qui clamait « Ma patrie, c'est la langue française », ou Léopold Sédar Senghor. J'aime beaucoup cette phrase quand il évoque justement le français comme les grandes orgues qui se prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des douceurs les plus suaves aux fulgurances de l'orage. Sans oublier Tahar Ben Jelloun, qui voit dans la francophonie une maison pas comme les autres, où il y a plus de locataires que de propriétaires. Et naturellement, je crois que nous sommes ici, en Tunisie, qui a été aux avant-postes pour la création de cette organisation. Je veux saluer naturellement ce père fondateur qui était Habib Bourguiba et qui justement, déjà il y a 55 ans, devant l'Assemblée nationale du Niger, disait que cette langue française, elle contribue à forger notre destin intellectuel, à faire de nous des hommes, j'ajoute des femmes, puisqu'on est en 2021, à part entière, et on voit combien ce vecteur est important. Mais la première leçon, c'est que la langue française, elle n'a pas de propriétaire. Et donc, je crois que cette langue, elle se mijote sur les cinq continents, elle se malaxe de tous les accents, de toutes les tournures, elle est pétrie par toutes les variations, et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons souhaité travailler à ce dictionnaire justement des francophones qui va pouvoir réunir toutes les acceptions, toutes les variations du français. C'est un des projets sur lequel le président de la République a insisté en 2018 parce qu'il a souhaité un réengagement de la France en matière de francophonie au niveau de ses institutions nationales. Et c'est heureux, je crois qu'il y a cette dynamique du coup nationale et locale qui se rencontre pour faire en sorte que cet héritage dont nous sommes dépositaires soit dynamique. Et puis, je crois que la deuxième leçon aussi de tous ces grands penseurs ou fondateurs, c'est que la langue française, elle a une fonction, elle est utile. Et c'est le véhicule de valeur, chère Anne, vous l'avez dit. Ça rassemble très largement la solidarité, la diversité culturelle, la démocratie, les droits de l'homme, le droit à l'éducation, naturellement. Et donc, on le voit, la francophonie, elle est très concrètement un outil d'émancipation. Cette langue, on n'a pas à la défendre juste parce que c'est une langue flamboyante, mais parce que c'est un outil, effectivement, d'accès à un certain nombre de biens et de besoins si essentiels à chacune et à chacun. Et donc, la francophonie, elle appartient à tous les peuples, mais sa mise en acte, elle appartient, elle, à toutes les volontés, et singulièrement celle des élus locaux. Je veux rendre hommage à l'action que vous conduisez les uns et les autres de ce point de vue-là. Parce que si la francophonie, ce sont des paroles en français, on voit bien que l'AIMF, eh bien, ce sont des actes en français partout dans le monde. Et c'est là où je veux vraiment saluer l'engagement au quotidien. C'est vous qui faites que la francophonie est une réalité. C'est une réalité à côté de laquelle beaucoup de nos concitoyens peuvent passer à côté. Mais grâce à vous, je pense qu'il y a un éveil qui se fait. Et donc, très concrètement, le cœur de la francophonie, il bat ici, il bat dans vos communes, il bat grâce à l'AIMF, et ça doit être dit. Je crois que grâce à l'AIMF, on a une francophonie de projet, une francophonie de mission, une francophonie qui change la vie. Bref, on ne se paye pas de mots, on n'est pas là pour mettre en place des grands concepts. Ce sont des outils concrets, opérationnels. Vous l'avez prouvé en 2020 avec tout ce plan de soutien qui a été conduit pour aider les collectivités à faire face à cette pandémie. Je sais que ça a trouvé à s'appliquer ici à Tunis avec un soutien au centre de santé municipale. Ça, c'est du concret. Ça a trouvé à s'appliquer à Beyrouth. On a tous été touchés, frappés. L'onde de choc du 4 août et de cette explosion, cette onde de choc, on l'a ressentie à Paris, on l'a ressentie à Tunis, on l'a ressentie à Kinshasa. Bref, elle nous a tous touchés, tous émus. Eh bien, l'AIMF, les maires francophones que vous êtes, avaient été au rendez-vous puisque vous avez permis la remise en état du service Covid, justement, de l'hôpital Carantina de Beyrouth. Ça, c'est du concret. Et puis, naturellement, on évoquait Erevan et les tristes événements, toute l'action humanitaire qui doit venir soulager la douleur du peuple arménien. Eh bien, là aussi, ça, c'est du concret. Vous avez été en première ligne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs,
la France. On est eh bien, très heureux d'être aux côtés de l'AIMF, de lui apporter un soutien financier aux côtés des autres partenaires que vous avez évoqués, parce que sans l'action résolue des maires, la francophonie, elle se paierait de mots. Voilà, faut se dire les choses. Et grâce à vous, je crois que la langue française, elle devient le ciment qui assemble des actions concrètes. Et comment ne pas citer aussi, d'ailleurs, je vois tout un réseau qui est en train de se structurer de maisons de la francophonie dans un certain nombre de villes, souvent basées sur une démarche associative, mais que vous accompagnez très souvent. Eh bien, là aussi, tout ça, c'est très concret. Et puis, on évoquait effectivement Tumo. Ce qui est formidable, c'est que dans la francophonie, les initiatives se prennent ici et là. Et on a tous été émerveillés, on en parlait avec Anne Hidalgo, par ce centre Tumo à Erevan, qui est juste un choc quand on le visite, où on voit combien eh bien, cet outil est innovant pour faire en sorte que les jeunes s'approprient les nouvelles technologies. Et je pense que le numérique que vous avez mis au cœur de vos travaux, il est essentiel d'un point de vue pratico-pratique pour les jeunes, mais surtout aussi pour... je dirais, rendre désirable l'apprentissage du français. C'est vrai qu'on est un peu en concurrence, il faut se le dire, avec la langue anglaise. Et à partir de là, comment faire en sorte que, eh bien oui, le français, ce soit glamour, eh bien, à travers, je pense, le numérique, à travers ce genre de programme. Et ce qui est fantastique, c'est que ce qui s'est élaboré à Erevan, eh bien, Paris s'est penché dessus. Et Paris a fait en sorte que ça puisse être disponible également pour d'autres villes francophones. Et donc, on le voit de proche en proche, il y a un effet papillon dans la francophonie. Ce que les uns ou les autres vous réalisez à Libreville, à Montréal ou ailleurs, eh bien, ça peut trouver à s'appliquer après dans un ensemble beaucoup plus vaste. Et je crois que ça n'a pas de prix. C'est vraiment... considérable. Et c'est pourquoi je suis convaincu vraiment, francophonie, solidarité internationale, action locale ont vraiment destin lié. Et c'est pourquoi aussi d'ailleurs, nous sommes en train de travailler en France à un projet de loi sur la solidarité internationale. Ce qu'on veut, c'est doubler les montants mis dans le cadre de la solidarité internationale à la disposition des collectivités locales. Parce qu'on voit bien que ben là, on est quelque part en circuit court et que les résultats, ils sont visibles, ils sont tangibles. Et c'est pourquoi, Madame la Présidente, vous nous trouverez toujours à vos côtés pour œuvrer, pour faire reculer le recul du français, parce qu'on le voit, on le sait. Le français, c'est une donnée qui nous paraît, dans nos générations, encore quelque chose, comment dire, de naturel, presque d'inné, mais qu'il y a... Il n'y a pas de certitude pour l'avenir. La francophonie, c'est un potentiel. On dit souvent 2050, 700 millions de locuteurs, etc. On peut doubler. Mais ce potentiel, pour le réaliser, eh bien, il faut qu'il y ait, je pense, une conscience de chacun des jeunes francophones de l'importance eh bien, de cette langue, de ce qu'elle peut lui apporter. Et de ce point de vue-là, quelque part, c'est un rendez-vous majeur entre la découverte ou l'ignorance. Cette découverte, elle n'est pas acquise, elle doit être suscitée. Et d'ailleurs, je voulais peut-être comment dire, évoquer allez, une chanson bretonne, mais dont finalement les mots peuvent être remplacés. C'est un groupe qui s'appelle Triane, qui parlait de la langue bretonne. Parce qu'il ne faut pas opposer les langues. Les langues régionales en France, elles ont un rôle et elles n'enlèvent rien à la langue française. Au contraire, il y a une dialectique aussi. Et je remplace ce qu'il disait sur le breton en parlant du français. Et il disait, voilà, j'ai longtemps ignoré que j'étais francophone. Voilà, français sans problème, il me faut vivre la francophonie en surplus, ou pour mieux dire en conscience. Et si je perds cette conscience, eh bien la francophonie cesse d'être en moi. Si tous les francophones la perdent, elle cesse absolument d'être. Voilà. Donc la francophonie, elle n'a pas de papier. Elle n'existe que si à chaque génération, des hommes se reconnaissent francophones. Et à cette heure, des enfants naissent en francophonie. Mais seront-ils francophones? Nul ne le sait. À chacun, l'âge venu, la découverte ou l'ignorance. Et donc nous, je crois qu'on est tous attachés à cette langue française. Donc on veut tous que la découverte se fasse et que ce ne soit pas l'ignorance qui prédomine. Et c'est pourquoi cette journée du 20 mars, qui est la journée de la francophonie dans le monde, je crois qu'elle doit s'incarner toujours et davantage dans chacune de nos communes. Je dis nos parce que j'ai la chance d'être élu local, j'ai la chance d'avoir été maire, et je mesure combien eh bien, cela repose sur nos épaules. Je prends un exemple très simple. Pour induire le questionnement, pour induire la découverte, quoi de mieux que déjà
pavoiser nos édifices publics le 20 mars, au drapeau et aux couleurs de la francophonie. Nous l'avons fait dans le réseau diplomatique français. Je sais que de nombreuses collectivités le font également. Je pense qu'il faut que ça devienne systématique parce que rien que la présence d'un drapeau, qui est un drapeau que nous connaissons, mais qui n'est pas forcément connu des autres, eh bien, ça crée l'interrogation. Le jeune, il va dire, papa, maman, c'est quoi ce drapeau ? La personne ne saura peut-être pas, d'ailleurs. Il ira se renseigner. Et c'est comme ça que après, eh bien, on va créer cette capacité à, eh bien, à se rendre compte du potentiel et de tout ce qu'offre le fait de maîtriser la langue française, le fait de pouvoir étudier en français partout dans le monde, de travailler en français partout dans le monde, d'aimer en français, bref, une capacité, je crois, tout simplement, eh bien, à accéder au meilleur, à vivre de la meilleure des façons. Et donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'avec vous, avec l'AIMF, eh bien, on fait vivre une francophonie des citoyens, des territoires, une francophonie en acte. Et si le français est une langue bien vivante, j'ai pu mesurer que par vos actions conjuguées, eh bien, vous en faites aussi une langue bienfaisante. Alors de tout cela, soyez-en remerciés. Bons travaux à toutes et à tous, et vive la francophonie. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Lemoine. Alors, je pense que nous pouvons reprendre contact avec Monsieur Désiré Nyaruira. Donc, vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez maintenant? En fait, ça coupe. Vous m'entendez? Madame la maire de Tunis, Madame la présidente de l'Association internationale des maires francophones, Monsieur le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de tourisme des Français de l'étranger et de la francophonie, Monsieur le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le secrétaire permanent de l'AIMF, Mesdames et Messieurs, la secrétaire générale de la francophonie, Son Excellence Madame Louise Mouchitiwabo, aurait aimé participer à cette ouverture de l'Assemblée générale de l'AIMF, mais son agenda ne lui a malheureusement pas permis. Elle m'a demandé de lire ce message en son nom. Début du message. Tunis accueille donc aujourd'hui la 40e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. C'est un symbole fort pour votre association, mais aussi pour toute la famille francophone. Si j'aurai dans quelques jours la chance de m'y rendre à l'occasion d'une visite officielle à l'invitation du chef de l'État, Son Excellence Monsieur Kais Saied, il ne m'a malheureusement pas été possible d'être aujourd'hui à vos côtés. Je vous prie de m'en excuser. Permettez-moi tout d'abord de saluer la maire de Tunis, Madame Souad Ben Abdelrahim et son équipe, pour avoir œuvré avec l'AIMF à la parfaite organisation de cette Assemblée générale et de ses travaux préparatoires. Comme vous le savez, la Tunisie occupe une place toute particulière au sein de la francophonie, et ce, depuis plus de 50 ans déjà. Le président Habib Bourguiba fut l'un des architectes de la francophonie institutionnelle, aux côtés de Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Amani Diori du Niger et Norodom Sihanouk du Cambodge. Ces hommes d'État visionnaires ont souhaité faire du français une langue au service de la solidarité, du développement et du rapprochement entre les peuples. Comme vous le savez, les conditions sanitaires mondiales qui prévalent encore aujourd'hui nous ont contraints à reporter la tenue du 18e sommet de la francophonie. Il se tiendra à Djerba les 20 et 21 novembre 2021 sur le thème Connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Un thème dont la pertinence a été renforcée par la crise sanitaire. Je souhaite ici saisir l'occasion qui m'est donnée de saluer l'engagement du président de la République, Son Excellence Monsieur
Kaïd Saïd et de son équipe, qui met tout en œuvre pour faire de ce sommet un succès. Ce sommet permettra de prendre la mesure de l'actualité et de la pertinence du projet francophone, 50 ans après sa fondation. Un projet qui rassemble, au-delà des 88 États et gouvernements membres de la francophonie, des millions de forces vives sur les 5 continents, élus et les collectivités, organisations de la société civile, universités, institutions nationales indépendantes, acteurs économiques, etc. Mesdames et messieurs, l'Association internationale des maires francophones, que vous présidez, cher Anne Hidalgo, occupe une place toute particulière dans ce projet francophone que nous avons en commun. L'année passée, j'avais participé avec beaucoup d'intérêt aux célébrations du 40e anniversaire de la création de l'IMF et j'avais pu constater à quel point votre association était animée par ses valeurs de solidarité et de coopération au service des populations. Je souhaite aujourd'hui louer l'influence de proximité et le travail de terrain de votre association. L'IMF fédère en effet aujourd'hui plus de 300 villes et associations dans 54 pays et conduit des actions qui répondent à de réels besoins en matière de gouvernance et d'aménagement des territoires. Des actions qui permettent de répondre aussi à des situations d'urgence. Je veux à cet égard saluer tout particulièrement la mobilisation de l'IMF dans le cadre de la gestion de la COVID-19 à travers l'adoption de son plan de près de 2 millions d'euros pour l'appui à la gouvernance par l'échange d'informations, d'outils et la structuration des services municipaux. Le Liban et la ville de Beyrouth, frappées par des explosions meurtrières cet été, ont bénéficié également de votre soutien pour la remise en état du service spécialisé COVID-19 de l'hôpital de la Quarantina de Beyrouth. Mesdames et messieurs, ces résultats témoignent du rôle essentiel que l'IMF joue au plus près des territoires et je crois qu'il est nécessaire de conjuguer encore davantage nos efforts pour avoir davantage d'impact. En tant que secrétaire général de notre cadre institutionnel commun, qu'est la francophonie, je souhaite qu'ensemble, OIF, acteurs de la charte, conférence des IENG, réseau, nous puissions développer des projets de plaidoyer plus complémentaires et mieux concertés. Je me réjouis que nous ayons convenu au sein du Conseil de coopération qui nous réunit d'unir davantage nos efforts pour mettre en œuvre nos priorités communes. L'une de ces priorités communes est bien sûr la langue française. À la faveur de la dynamique démographique que bon nombre de nos pays enregistrent, le nombre de locuteurs en langue française augmente. Pour autant, afin que ces chiffres se vérifient, il est important que nous puissions soutenir une offre éducative de et en français de qualité. Il est aussi important que la langue française soit utile, soit vecteur d'emploi et de perspectives d'avenir pour la jeunesse. C'est pourquoi nous avons intérêt à agir ensemble et plus efficacement dans les domaines de l'éducation et de la formation où les villes et les territoires ont une connaissance fine des réalités et des besoins. Au-delà de la langue française, dont bien sûr pouvoir mieux se positionner dans l'univers numérique afin de diffuser les savoirs et participer à son rayonnement. C'est notamment pour cette raison, mais aussi parce qu'il est aujourd'hui l'un des plus importants leviers de modernisation, que j'ai fait du numérique une priorité de mon mandat. Je remercie l'IMF de participer au groupe de travail que j'ai mis en place afin de préciser notre stratégie dans ce domaine pour les années à venir. Les enjeux sur lesquels j'ai souhaité mobiliser en priorité la francophonie, en dehors de la question de la visibilité du français, sont ceux de la fracture numérique, de l'éducation aux nouvelles technologies et de la régulation du numérique. Le sommet de Djerba permettra de présenter une stratégie ambitieuse et des projets structurants dans le domaine. L'IMF continuera d'être associé à l'élaboration de la stratégie. C'est dire toute l'importance que j'accorde aux travaux que vous avez conduits hier lors de votre congrès consacré à la ville francophone numérique. Je ne doute pas que vos conclusions seront d'un grand intérêt pour nos propres réflexions et nous veillerons à en tirer le plus grand bénéfice. À travers une mobilisation dans le domaine du numérique, de l'éducation et de la langue française. C'est en faveur de l'avenir de la jeunesse que nous œuvrons. En 2060, plus de 3/4 de la population francophone auront moins de 30 ans et vivront en Afrique. Ces prévisions sont source de grand espoir, mais constituent un immense défi, car
il nous faut offrir des perspectives concrètes aux jeunes. Afin de nous y préparer, l'OIF a mené une consultation de la jeunesse afin de recueillir ses préoccupations, ses attentes, ses propositions de solutions. Si nous avons réussi à toucher un grand nombre de jeunes dans le cadre de cette consultation, c'est notamment grâce à l'appui de l'AMF qui a relayé directement cette initiative auprès des collectivités. S'agissant de la jeunesse, je mentionnerai également un autre défi sur lequel j'ai souhaité que l'OIF s'engage de manière résolue. Il s'agit de l'accès à l'état civil. Des dizaines de millions d'enfants dans notre espace ne sont pas enregistrés sur les registres d'état civil, leur empêchant ainsi de bénéficier de leurs droits les plus fondamentaux, droits civils, politiques, mais aussi économiques et sociaux. Dans ce domaine, l'AMF peut mettre à profit ses travaux et nous faire partager son expérience. Une grande priorité partagée est celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai notamment lancé cet été une initiative, la francophonie avec elle, pour accompagner les femmes francophones en situation de vulnérabilité qui subissent de plein fouet les impacts socio-économiques de la crise que nous vivons actuellement. 59 projets répartis dans 20 pays d'Afrique et de la Caraïbe vont ainsi bénéficier de l'appui de l'OIF à travers ce fonds pour un montant total de près de 3 millions d'euros. Enfin, je rappellerai mon engagement en faveur du renforcement de la dimension politique et multilatérale de la francophonie. Nous l'avons ensemble constaté. Le multilatéralisme a été encore davantage fragilisé par la crise sanitaire qui, pourtant et paradoxalement, a démontré que nous avions plus que jamais besoin de coopération internationale. Je suis profondément convaincu que la francophonie, dans toutes ses composantes, a un rôle à jouer dans ce nécessaire mouvement de refondation du cadre multilatéral. La coopération décentralisée et la diplomatie des villes que mènent l'AMF et ses villes membres constituent des réponses aux défis multiples et interconnectés auxquels nous devons faire face. Parmi d'autres, le numérique est assurément un des domaines sur lesquels la francophonie pourra faire valoir sa valeur ajoutée politique et multilatérale. Je souhaite que votre congrès à l'Assemblée générale 2020 soit des plus fructueux. Fin du message, je vous remercie. À présent, j'invite M. Taïeb Bakhouch, secrétaire de l'Union du Maghreb arabe, à venir nous rejoindre au micro. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de prononcer un petit mot dans la langue officielle de l'Union des cinq pays du Maghreb que je représente. Et j'espère qu'il y a la traduction. السيدة سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس العاصمة بتبع والسيدة أن إيدالغو رئيسة بلدية باريس ورئيسة الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية السيد الوزير الرئيس وهو رئيس فالوني إليو دي روبو السيدات والسادة المشاركات والمشاركين في مؤتمر الأيامف الذي سبق أمس بندوة حول المدينة والرقمنة وإني إذ أشكر السيدتين الرئيستين على الدعوة الكريمة للمشاركة في افتتاح هذا الحدث الهام يطيب لي التنويه بتنظيمه بهذا العدد الرفيع من المشاركات رغم الظروف الاستثنائية التي جعلته يوفق بين المشاركة الحضورية والمشاركة عن بعد فليس من السهل جمع ممثلين محليين من أكثر من 30 بلد من القارات الأربع الكبرى وإنه لإطار أمثل لتبادل التجارب والآراء المعبرة عن ثقافات متعددة
لا يمكن إلا أن يثري بعضها البعض الآخر بتلاقح وتثاقف كم نحن اليوم في حاجة إليه. لمزيد تعميقه وتجذيره في فضاءاتنا جميعا في سبيل تنمية أشمل وتوزيع أعدل دون مفاضلة حتى تستفيد التجمعات المحلية الكبرى والصغرى معا مدنية كانت أو قروية أو ريفية وسواء أكانت ساحلية أم داخلية. ولا يتأتى ذلك إلا بالتضامن الفعال والتعاون بعقلية تشاركية في مستوى صياغة المشاريع وفي مستوى ترجمتها على أرض الواقع بالتسيير المحكم لتحقيق العيش المشترك والتنمية التضامنية في فضاءات تتأقلم مع المتغيرات ولا سيما لتطوير الرقمنة التي لها فضل تخفيف وطأة البيروقراطية والاقتصاد في الكلفة والزمان. فضاءات توفق بين الاقتصادي والاجتماعي وتحفظ التراث وتحترم البيئة السليمة ليتمتع بها الساكن والزائر ولتتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل كما تتناقل جميع مكونات الثقافة المميزة والحضارة المشتركة. وإذ نلتقي اليوم لحسن الحظ في ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإنما ذكر يتنزل في صلب ثقافة حقوق الإنسان بمفهومه الشامل الذي لا يقبل تجزئة ولا تفاضلا. وكأني بهذا المؤتمر والندوة السابقة له أمس يتوج القضايا التي تم طرحها ومناقشتها في ندوات البلديات المغربية السابقة التي سعدت بالمشاركة فيها وشجعتنا في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على إتمام مشروع رقمنة الأمانة العامة للاتحاد. فبعد رقمنة التوثيق والأرشيف نعمل اليوم من أجل رقمنة المراسلات بجميع إداراتنا وأقسامنا، وهو عمل مفتوح للتدارس مع شركائنا، ونأمل تشريك الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية فيه. وأهنئ في الختام جميع القائمين على هذا الحدث باختيار المحاور وكذلك التوقيت لقيمته الرمزية والكونية، وأرجو لمؤتمركم كامل النجاح والسلام. Monsieur Taïeb Bakhouch, merci beaucoup pour votre présentation. Votre présence est très importante pour nous également aujourd'hui. Le Maghreb, en tant que région, est toujours et a toujours été ami de la IMF. Merci beaucoup. Alors, je vous l'avais promis tout à l'heure, on passe peut-être à la séquence émotion de notre matinée. Et c'est devenu aujourd'hui quasiment une tradition à la IMF, comme la femme a une... a une présence et a une importance dans les affaires locales. Et donc, l'IMF, depuis 2017, a lancé cette idée de prix de la femme francophone qui permet à des pépites, à des femmes débordantes d'énergie qui sont actives sur leur territoire et qui s'engagent pour leur territoire. Cette année, le prix a été décerné à deux jeunes dames que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, je vais commencer par ordre alphabétique, par hôte.
que nous avons vu hier à la vidéo. Donc, Aude Niadanouz, s'il te plaît, Aude. Alors, Aude est une jeune entrepreneuse française passionnée par le secteur de la santé. Après un diplôme d'ingénieur à l'école de polytechnique et un doctorat en chimie organique, elle a décidé de créer sa première entreprise. Ça s'appelle L'Hôpital en 2017. L'objectif, c'est de stimuler l'innovation collaborative en santé et mobiliser les citoyens pour inventer l'hôpital de demain. Je la laisse se présenter toute seule, comme une grande. À toi le micro. Madame la présidente de l'AIMF, madame la maire de Paris, madame la maire de Tunis, monsieur le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, monsieur le secrétaire d'État, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir été nommée cette année femme francophone. Je suis, comme l'a dit Cyrine, une entrepreneure engagée pour la mobilisation citoyenne au service de la santé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux de mes actions que j'ai impulsées au service de la santé. La première est en lien avec la crise que nous avons tous traversée, que nous traversons encore, la crise Covid-19. Car entre mars et juillet 2020, j'ai mis toute mon énergie au service des hôpitaux de Paris, l'APHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, dans le cadre de cette crise. Vous avez tous entendu parler du manque de lits, on était tous très angoissés par le manque de lits en réanimation notamment. Évidemment, ce qu'il manquait, ce n'était pas des lits physiques, c'était les personnes autour du lit, n'est-ce pas ? Les soignants qui ont eu un rôle prépondérant et qui avaient besoin de renforts. Mais nous avons moins parlé des renforts nécessaires pour soutenir ces soignants, pour les outiller et pour organiser ces forces vives, pour tout ce qu'on appelle l'hôpital entreprise, c'est-à-dire toutes les fonctions qui sont aussi nécessaires au bon déroulement des soins. Cet hôpital entreprise avait également besoin de renforts, et c'est dans ce cadre que j'ai lancé en mars 2020, un appel à volontaires pour venir soutenir cet hôpital entreprise. Tout a commencé par un simple formulaire en ligne et en une semaine, grâce à la force des réseaux sociaux, 11 000 personnes se sont mobilisées pour venir en aide aux hôpitaux. Pour organiser ces forces vives, j'ai créé une plateforme en utilisant un outil de messagerie instantanée permettant de créer un lien entre ces volontaires, ces bénévoles et les besoins du terrain via la centralisation des demandes d'aide, l'organisation de la mise en relation entre ces demandes et les bénévoles disponibles pour atteindre une organisation efficace et coordonnée. Au bout d'un mois, c'était 20 000 personnes qui se proposaient d'aider les hôpitaux parisiens. Et au cours de cette première vague de la crise, entre mars et juin 2020, ce sont 1300 personnes parmi ces 20 000 volontaires qui sont effectivement venues pour participer à la gestion de crise sur différentes activités, par exemple des activités audiovisuelles pour pouvoir filmer les séances de rééducation, les faire à distance, des services de ressources humaines pour venir en support justement du recrutement des renforts soignants, via un call center, des services de data science, de développement pour proposer des petits logiciels, des modélisations pour prévoir les gestions de stock de matériel, etc. etc. Je ne peux pas vous citer les 1300 missions qui ont été mises en place, mais ça vous donne un aperçu. Cette action est un exemple frappant de la puissance de la mobilisation citoyenne quand elle se met au service de la santé. C'est une conviction que j'ai acquise depuis déjà 4 ans, au travers notamment de mon entreprise L'Hôpital. Ça s'écrit L-O-W, Hôpital. C'est un jeu de mots entre low-tech et hôpital. Le concept de L'Hôpital, c'était justement de rassembler des citoyens pour faire de l'innovation collaborative au service des établissements de santé.
Lors de ces événements, nous rassemblons entre 50 et 100 personnes pour réfléchir ensemble à des solutions extrêmement concrètes pour améliorer le quotidien à la fois des soignants, mais également des patients et de leurs aidants familiaux. Et pour ce faire, nous prenons appui vraiment sur des citoyens totalement extérieurs à ce milieu de la santé que nous envoyons en immersion dans les établissements de santé pour comprendre quels sont les besoins, quelles sont les habitudes et comment on peut inscrire des solutions simples dans ces environnements sans les perturber, évidemment. Et c'est en s'appuyant sur le regard extérieur de ces citoyens que nous proposons des choses particulièrement originales et innovantes. Et quand je parle d'innovation, je ne parle pas forcément de technologie. Je parle vraiment de nouveaux services, de nouvelles organisations et parfois de choses extrêmement simples et pragmatiques qui pourtant vont avoir un impact très fort. Via ce mouvement, nous avons déjà organisé 3 événements, rassemblé 200 personnes en Île-de-France, lancé 27 projets dans différents établissements de santé, hôpitaux, cliniques, établissements d'accueil de personnes âgées. Et aujourd'hui, j'aimerais profiter de ma présence ici pour vous demander si vous souhaitez se joindre à ce mouvement qui a démarré en Île-de-France, mais qui a vocation à s'étendre. Puisque c'est une méthodologie que nous avons développée, que nous avons raffinée, que nous avons testée depuis 3 ans et que j'aimerais mettre à votre disposition pour vous-même pouvoir animer vos collectivités et vos communautés via ces méthodes d'innovation collaborative qui s'appuient notamment sur les jeunes, sur des idées nouvelles et sur la créativité que l'on peut acquérir quand on se rassemble. Pour ceux qui ont entendu hier ma vidéo pour l'atelier santé, vous m'avez entendu parler de pouvoir de l'ignorance. C'est un terme que j'utilise à dessein de manière un peu provocatrice pour qu'on le retienne, mais le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de la différence, le pouvoir des regards croisés qui vont pouvoir amener des bonnes pratiques, des suggestions, et c'est en rassemblant ces différentes visions que l'on innove vraiment. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment m'appuyer sur l'IMF pour créer des ponts, des collaborations, des échanges entre des différentes communautés et entre vraiment des citoyens engagés qui souhaitent se proposer des solutions. Alors voilà, ces 3 actions que je voudrais vous proposer. La première, c'est donc d'essaimer cette méthodologie et de la mettre à votre disposition. La deuxième, c'est d'échanger sur les bonnes pratiques, sur les problématiques pour activer un niveau supérieur d'intelligence collective. Et pour cela, j'aimerais rencontrer vos conseillers santé, vos écosystèmes régionaux. Grâce à l'IMF, j'ai récemment pris contact avec le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, avec lequel je mets en place une collaboration pour réfléchir ensemble sur des problèmes très concrets liés à la santé sexuelle des femmes. Le troisième projet que j'aimerais vous proposer concerne la prospective en santé, c'est-à-dire imaginer ensemble les futurs de nos systèmes de santé et écrire ensemble des récits, des scénarios qui vont décrire ces futurs possibles pour pouvoir les présenter, pour pouvoir les imaginer ensemble de manière citoyenne et alimenter ainsi un débat public éclairé et faciliter la projection des citoyens dans ces différents futurs possibles et leur donner le pouvoir de vraiment s'engager et d'agir en direction d'un de ces futurs, même si aujourd'hui, avec l'essor des nouvelles technologies, il est très difficile de comprendre et de se projeter dans ces différents futurs. À nouveau, je suis vraiment convaincue que la pluralité de visions peut venir nourrir cette réflexion de manière extrêmement riche. Et je réitère mon appel afin de travailler ensemble avec vous tous ici présents et vos écosystèmes. Ce prix de la femme francophone, c'est l'opportunité pour moi d'étendre mes actions et de continuer à créer des ponts. C'est particulièrement important pour moi personnellement, en tant que femme métisse, franco-togolaise. Je suis dans mon identité même, dans mon identité profonde, une faiseuse de liens. Alors je vous remercie de me donner l'opportunité de continuer à créer des liens féconds et j'ai hâte de continuer mes actions de mobilisation citoyenne pour valoriser l'intelligence collective au-delà des frontières et pour imaginer ensemble le futur de la santé en réunissant les destins et en respectant les diversités. Merci. Merci Marie et vraiment bravo pour votre engagement.
Alors, avant de passer la parole à Madame Hidalgo qui vous décernera le prix, on va inviter Marie, Marie Duchastel. Donc Marie est notre deuxième candidate. Tu peux t'asseoir. Donc Marie est notre deuxième candidate au prix de la femme francophone. Alors, une brève présentation, après je te laisse Marie poursuivre, parce que c'est votre CV est très lent également, donc voilà, je vous laisse le résumé. Marie Duchastel donc, développe les projets de l'association KIK à Namur, en Belgique. Elle est la curatrice du KIK Festival et du Pavillon, un festival international et un lieu d'exposition permanent qui explore les liens entre art, sciences, technologie et société à travers des conférences, une exposition de projets technologiques, de start-up et un parcours d'art numérique en dialogue avec l'espace urbain dans de vingtaines de lieux atypiques de la ville. À toi la parole, Marie. Merci. Madame la maire de Tunis, madame la présidente de l'AIMF, maire de Paris, monsieur le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, monsieur le secrétaire d'État français, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement l'AIMF pour ce prix. Je suis très honorée et ça permet de mettre en valeur le travail que nous faisons depuis plus d'une dizaine d'années au sein de la ville de Namur. Personnellement, en fait, ça part d'une histoire personnelle. Il y a vraiment un problème de parité en termes dans les métiers du numérique. La place des femmes dans les métiers du numérique est sous-représentée. Et j'ai vécu moi-même en fait cette histoire quand j'ai dû choisir mes études. Ces femmes sont sous-représentées souvent parce qu'elles ont peur d'arriver dans ces métiers, aussi parce que ces métiers sont tellement masculins qu'elles ont peur aussi d'être brimées ou de ne pas se sentir à leur place. Moi-même, quand j'ai dû choisir mes études, j'ai dit à ma famille, à mes amis, ah, j'aimerais bien faire informatique. Et tout le monde m'a dit, informatique, t'es dingue, tu vas te retrouver avec que des mecs, ça va être horrible. Et puis, t'es pas sûr de trouver ta place dans la société. Ça va être compliqué. Et malheureusement, j'ai écouté mes amis, j'ai pas choisi cette voie-là. J'ai choisi de faire des études plutôt dans la communication et les nouveaux médias. Et puis finalement, au bout d'un master en pub, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout envie de travailler dans la pub. J'ai quand même envie, ce qui m'intéresse, c'est le code, c'est l'informatique. Et donc, j'ai dû recommencer des études et refaire un master en médias interactifs et donc travailler avec ces nouvelles technologies. Et je me suis rendu compte finalement que ces stéréotypes de la société, les femmes ne sont pas faites pour les métiers technologiques, attention, il y a trop d'hommes, ils sont partout, et que du coup, il y a un manque de vision, de diversité et d'ouverture dans ces métiers technologiques qui arrivent vraiment à des dérives. Et ces dérives, elles sont dangereuses. Et on peut le voir de plus en plus quand 90% des nouvelles technologies sont développées par des hommes blancs entre 30 et 40 ans issus de la Silicon Valley, ça pose un problème. Et on l'a vu de nombreuses fois. Par exemple, les premiers casques de réalité virtuelle n'étaient pas du tout adaptés au visage d'une femme. Il y a une certaine console de jeu dont je tairai le nom, qui est une des premières consoles à avoir fait un système avec des capteurs de distance qui pouvaient capter les mouvements, qui ne reconnaissait pas les peaux foncées. Ce qui est quand même assez impressionnant, en fait, pour une société qui distribue ses consoles de jeux dans le monde entier. Et maintenant, il y a des défis encore plus grands avec ces développements de l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et des systèmes complètement automatisés qui, si malheureusement, ils répètent les biais et les problèmes de diversité que nous connaissons déjà au sein de notre société, vont poser des grands problèmes parce que c'est les machines qui vont décider, prendre certaines décisions. Et donc, si les décisions qui sont biaisées sont automatisées, ça risque encore plus de creuser les inégalités. C'est pourquoi, au sein du festival que nous organisons, nous mettons un point d'honneur à poser ces questions de société et à les poser d'une manière diversifiée. Nous invitons des scientifiques, des artistes, des chercheuses, des entrepreneuses, des codeuses, des programmateurs et tout type de personnes qui travaillent en fait de manière créative avec les nouvelles technologies à venir partager leur expérience, leur vision du monde
dans un festival international en plein cœur de la ville de Namur qui rassemble plus de 30 000 personnes issues de plus de 50 pays différents. Au sein de ce festival, j'ai toujours mis un point d'honneur à respecter une parité et justement à mettre en valeur des femmes qui sont issues de ces métiers des numériques et qui peuvent être des rôles modèles justement pour inciter d'autres femmes à poursuivre une carrière dans ces filières. Parce que je pense que le plus important là-dedans, ce sont les rôles modèles. C'est vraiment de montrer que c'est possible, de montrer qu'il y en a d'autres qui le font et de montrer qu'en fait, c'est pas compliqué. Il suffit simplement, en fait, d'y croire et ne peut-être pas écouter les stéréotypes, peut-être pas écouter la société et juste avoir le courage, en fait, de faire le pas en avant. Depuis 2 ans, nous avons aussi lancé le projet Afrikik en collaboration avec une commissaire d'exposition basée à Dakar, Delphine Boyce, et une association qui s'appelle Kertiosen. L'idée de ce projet, c'est de mettre en valeur la créativité numérique au sein de l'Afrique. Parce qu'on se rend compte, en observant par exemple ce qui se passe dans les Fab Labs, que ce qui se passe dans les Fab Labs en Afrique et dans les lieux de création numérique pourrait vraiment nous apprendre beaucoup de choses. Et en fait, en ouvrant ce dialogue et en parlant de créativité numérique et en montrant justement ce qui se fait dans tous les pays du monde et notamment la francophonie, ça nous permet vraiment d'avancer dans ces questions de diversité, dans ces questions justement de développement technologique qui sont super importantes dans une société où on a tous des smartphones dans nos poches et on est complètement influencé par cette technologie. Donc depuis deux ans, nous mettons à l'honneur la créativité numérique de ces pays africains en invitant des artistes, des scientifiques, des chercheuses, des autrices à venir partager leur expérience au sein du festival. Et ma présence ici en fait a une importance particulière pour moi parce que l'année prochaine nous avons décidé de mettre la Tunisie à l'honneur au sein du festival. Et donc là je vous fais un appel. Parce que nous cherchons des startups, des entrepreneurs, des entrepreneuses, nous cherchons des artistes qui travaillent avec le numérique, nous cherchons en fait à explorer comment le numérique, quand il est utilisé de manière créative, crée des nouvelles formes de culture, pose des nouvelles questions sur notre société numérique. Et donc, si vous avez des projets ou des idées, des gens qui sont des rôles modèles à me conseiller, venez me trouver après la session parce que j'aimerais beaucoup en entendre parler. Et c'est la même chose pour toute la francophonie et les pays africains parce qu'Afrikik est un projet en constante évolution et c'est un projet qui va dans les deux sens. Donc, il se passe des choses à chaque fois à Namur en Belgique, mais après, il y a toujours un volet en Afrique où nous venons dans le pays ami organiser des activités et collaborer aussi avec la culture locale. Ce festival nous a amené au fur et à mesure des années à créer tout un écosystème dans la ville de Namur. Donc d'un festival, nous sommes arrivés en fait à créer un hub créatif qui s'appelle le TRAC, qui est le hub créatif et le Fab Lab de Namur, qui maintenant est un lieu de 3000 m² avec un coworking, des bureaux pour des startups et un énorme Fab Lab, un laboratoire de fabrication. La particularité de ce lieu, qui est aussi la particularité du festival, c'est que nous décloisonnons les disciplines et les publics. Donc au sein de ce lieu se croisent des entrepreneurs, mais aussi des artistes, des retraités, des étudiants, des chercheurs. Et en fait, la rencontre entre ces publics différents donne vraiment une ouverture d'esprit qui permet de faire naître des nouveaux projets et de pousser l'innovation. Parce que l'innovation, souvent, elle est le fruit d'un hasard, de rencontres quelquefois absurdes ou improbables. Et dans la technologie, on voit aussi que l'innovation, elle est le fruit, en fait, quelquefois d'erreurs. On a connecté deux câbles, les mauvais câbles ensemble, et en fait, on a découvert des nouvelles choses. Cet écosystème, maintenant, il comporte aussi une production de diffusion, une plateforme de production et diffusion artistique qui aide les artistes, les soutient et les diffuse après dans le monde entier. Et tout récemment, nous allons ouvrir un lieu centré sur ces questions d'art, science, nouvelles technologies et société qui s'appelle le Pavillon, qui ouvrira à Namur, en haut de la citadelle de Namur, qui est le haut lieu touristique de la ville, avec des expositions permanentes, explorera ces sujets. Tous ces projets qui maintenant vraiment font foisonner la ville de Namur n'auraient été jamais possibles sans le soutien de la ville de Namur, de la Wallonie bien évidemment, de tous les partenaires locaux, régionaux,
du gouvernement fédéral, mais aussi de la francophonie, avec qui nous avons des relations très très fortes. Depuis des années, nous tissons des liens avec les pays de la francophonie, notamment grâce au parcours numérique francophone qui relie les villes de Nantes, Abidjan, Québec et Namur, et qui viennent chaque année sur le festival, et nous nous déplaçons sur des événements dans ces villes aussi. Et tous les partenaires, évidemment, internationaux, avec lesquels nous avons tissé des liens qui vont bien au-delà, en fait, des liens formels et des relations formelles. C'est instauré entre nous une relation de confiance qui fait qu'en fait, le KIC, c'est devenu une grande famille avec vraiment une chaleur humaine qui a permis, en fait, de hisser la ville de Namur au rang de capitale internationale de la créativité numérique. Et donc, merci beaucoup pour ce prix. Je suis très honorée personnellement, et puis je suis très honorée aussi au nom de la ville de Namur de recevoir ce prix, car la ville a été si généreuse avec nous que ben, voilà, ça lui rend l'appareil. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Marie-Christine. Reste sur l'estrade, s'il te plaît. Alors, Aude, je t'invite aussi à monter sur l'estrade. Madame Hidalgo, c'est à vous qu'échoit l'honneur de leur décerner le prix. Juste un mot vraiment, et pour nous toutes et nous tous, c'est un moment important. Puis alors on voit cette jeunesse francophone, ces femmes francophones, avec cette belle énergie, avec ce goût justement du partage, de la diversité. Je pense qu'on peut être fiers. Merci vraiment aussi d'avoir créé ce prix, de nous avoir poussé à créer ce prix. Maintenant, tout cela doit essaimer, en tous les cas, en les écoutant. Je me disais que j'ai plein d'idées à leur proposer, mais vous aussi sûrement. Merci, merci à vous. Bravo. Alors, avec le Covid, je ne vais pas trop. Mais bravo à vous. Venez, on va se mettre peut-être par là et puis vous entourer. Alors, nous allons peut-être également, puisqu'on est là, on va aussi. Alors, la ville de Tunis a des cadeaux à offrir également à Madame Anne Hidalgo. Alors, il y a aussi un cadeau de la ville de Tunis à Monsieur Jean-Baptiste Lemoine. Et également un cadeau de la ville de Tunis à Monsieur Pierre Baillet, secrétaire permanent de l'AIMF. Et un cadeau également par les élus camerounaises. Voilà. Je vous en prie, mesdames. Les élus camerounaises, je veux vous dire merci parce que c'est vrai que vous avez, avec 17 communes du Cameroun, vraiment créé aussi l'événement au sein de l'AIMF
en portant des problématiques, des préoccupations, des projets. On est très, très fiers du chemin que vous parcourez. En tous les cas, je veux vous dire notre immense fierté et on pense bien sûr à notre amie Célestine, ministre du Cameroun aujourd'hui, qui a pendant longtemps animé aussi nos réunions ici au sein de l'AIMF. Mais bravo, vous êtes aussi une fierté pour l'AIMF, mesdames les maires et les élus de ces communes du Cameroun qui se sont prises en main et qui montrent l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame la Présidente, je vous donne l'association des maires du réseau des femmes élues du Cameroun et moi-même, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour la femme en général et pour le réseau des femmes en particulier. Nous sommes ici, nous sommes motivés grâce à l'effort de l'AMF. Et comme je vous avais dit à Montréal, que le vent qui passait, qui soufflait à l'ouest, qui emportait tout le monde, ne pourra pas vous emporter. Aujourd'hui, vous avez encore brigué avec bravoure votre poste à la mairie de Paris. Et notre symbole, c'est le lion. C'est le lion de la forêt, le lion indomptable. C'est pour cela que nous vous décernons ce présent pour dire que vous êtes la lionne de Paris. Oui. Alors, à madame, attends que je parle, je suis en train de parler. Pour madame Hidalgo, non, moi je représente le. Un bâton de commandement. Ah, le bâton, c'était... Alors, j'invite tous les présents à reprendre place parce que la séance cadeau n'est pas encore terminée. Voilà. Au nom de tous les maires qui adhèrent à ce réseau, merci. Au nom de tous les maires camerounais qui adhèrent au réseau de l'économie sociale et solidaire que je représente en ma qualité de présidente par intérim, dont vous recevez ce modeste cadeau. Merci. Nous vous disons merci pour tout l'appui que nous avez apporté pendant la période de COVID qui est maintenue, mais ça nous a permis de donner un soulagement aux ménages qui font dans l'économie sociale et solidaire. Et à leur nom, je vous remercie grandement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour la bienvenue. À madame Souad, notre sœur, la lionne du Maghreb, parce que je suppose qu'il n'a pas été du tout facile d'être maire de Tunis. Les femmes maires du réseau des femmes élues locales du Cameroun voudraient vous dire leur fierté et leur solidarité. Et bon vent à vous, madame. Vous avez là deux figurines qui représentent un homme et une femme, parce que pour nous, devant un homme, il y a toujours une grande femme. Pas derrière, mais devant. Voilà. Merci.
prenez les deux. Alors, j'invite aussi Monsieur le maire du Kef, de la ville du Kef, qui souhaite également. Voilà, ça n'a pas pris. Vous êtes une châtie là. Alors, merci beaucoup aux élus camerounais. Alors, il reste encore deux derniers cadeaux. Alors, la ville du Kef qui souhaite donner cadeau à Madame Anne Hidalgo. Alors, Monsieur le maire de la ville du Kef, qui souhaite donner un cadeau à Madame Hidalgo. Pardon. Je dois filer là, Cyril. Merci beaucoup. Voilà. Votre message était très important sur la. Parce que j'ai mal au cœur. Mais parce que on voit que. Alors, un cadeau aussi de la ville du Kef à Madame Souad Abdelrahim et également Monsieur le secrétaire général, le secrétaire permanent de l'IMF. Et j'appelle également Monsieur le maire de la ville de Béja, également. Monsieur le maire de la ville de Béja, qui présente également un cadeau à Madame Hidalgo. C'est avec tous ces témoignages d'amitié que nous pouvons peut-être clôturer cette première session de l'Assemblée générale. Oui, merci beaucoup Madame Hidalgo d'avoir été là, Sita et Bakouch également. Alors, la ville de Béja qui offre également un cadeau à la ville de Tunis. Voilà. Donc, à présent, il y aura la signature de la déclaration entre Monsieur le secrétaire de l'UMA.